Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur FIFA 18. Donc c'est pas un Turismo ni la ferme, mais c'est FIFA 18. Alors aujourd'hui je suis en Coupe du Monde, on peut dire, en compétition. Donc on va faire, donc là je vais choisir mon équipe. Moi je vais prendre la France, comme vous avez. Japon, hop, la France contre... l'Australie. Donc voilà, donc là voilà. Ah, j'espère que vous m'entendez bien. Le temps que ça télécharge, n'hésitez pas à liker, t'abonner et partager, ça nous ferait super plaisir. Et allez, on se dit à tout à l'heure. Bonjour, bienvenue à vous pour ce match amical, international. Je vois que Pierre vous est bien installé. Oui, je suis plus confortable, tout va bien, on va pouvoir y aller. Donc, je suis de l'équipe de France qui aujourd'hui affrontera l'Australie. Je vais jamais poser la question, Hervé, mais c'est quoi ton plus grand souvenir de Coupe du Monde? Oui, c'est un vrai joueur d'équipe très à l'aise dans l'entrejeu. Il facilite sa transmission avec son rôle d'organisateur. Sur ce ballon, un très efficace, hein, ce pressing qui l'oblige à dégager ce ballon. La remise directe, c'est bien vu. La passe est interceptée. Libre ballon d'attaque. Il s'infiltre, attention. Allez, un petit peu de pression avec ce coup franc extrêmement bien placé. Donc voilà, donc là ça fait 1-0 pour l'Australie. Thank you.
À l'appui, qui a fait son apparition après ce match. Enfin, peut avoir son importance, je pense notamment au bac qui suit, mais aussi aux appuis qui seront peut-être un petit peu plus délicats. Attention, le se déporter sur le côté et il se rebouche. Allez, il n'y a personne qui peut prendre l'espace. Il y a une faute. Il va sortir le carton. Carton jaune. Carton jaune. Allez, peut-être une possibilité de contre-attaque, voyons voir. Peut-être une bonne opportunité, attention. Mais non, cette action ne donnera rien. Papé, petit le coup. Donc après je vais recommencer un match. C'est la mi-temps. Donc là c'est France Panima. Hop. Là c'est FIFA 2018 avec France Panama. Panima non, c'est Panama.
qui a posé la première pierre de cette très amoureuse que je pense qu'on va dire une montre, c'est ça. Il a été obligé de se débarrasser du ballon. Alors, il a intercepté cette passe. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Alors, on a tapé l'intention, mais c'est un adversaire qui récupère. C'est le gardien qui a le ballon. Ouais, alors facile, hein, il va pouvoir relancer son équipe maintenant. Ça ne passe pas, on l'a pu stopper. Bappé. Olivier Giroud. Griezmann. Un ballon perdu, l'adversaire s'est interposé. Il a pas tenu sous le champ, il a senti qu'il a eu tendance sur le haut. Peut-être qu'il ne trouvera personne si ce n'est un adversaire. Un bon ballon d'attaque. Ah non, ballon perdu. Un petit peu coincé hein, sur ce ballon pour le Pogba, une sous-pression. Ah, il pouvait mettre son équipe devant. Très tôt dans ce match. Ah, il a raté l'occasion. Il a été maladroit à la limite, je me demande s'il est déjà rentré dans la partie. À mon avis, cette occasion va le réveiller, j'espère. Le bleu qui aborde cette partie a été le favori. Ça part bien, action dangereuse. Oh, magnifique, le gardien qui s'interpose. Raphaël Varane. C'est un jeu qui s'éloigne, c'était pourtant bien donné. Paris Saint-Germain s'impose pour ce petit européen. Et enfin, maintenant, les rivalités avec le Real, le Bayern, le Barça. Pour l'instant, c'est pas le cas. Gabriel Gomez. Il s'avance vers la surface. Le marquage pour l'axiste, attention. C'était appuyé, mais le contrôle est bon. Avec des Giroud. Ah, ils ont beaucoup à jouer là, attention. Oh, ça peut pas changer ce match. Oh là là là, on a failli assister au premier coup dans ce match. On a tous mis dans le dernier geste, c'était bon, il avait son 1-0. Allez, un peu de patience. Ouais, il y a eu 2. Allez, Pogba qui poursuit sur l'action. Il faut bien l'aider parce qu'il est sous pression. L'arbitre attend un coup franc. Et voilà le Metz. On ne peut pas taper. Sur la pose adverse. N'Golo Kanté. Olivier Giroud. Gabriel Tavares. Attention, c'est pas le bon jeu. Ah oui, il cherchait à partir dans la profondeur. Choisit la frappe. Oh, le poisson de l'hiver. Pour la marquer cette frappe. Les attaquants français qui sont quand même en grande difficulté dans ce match. C'est une question d'occasion. Une occasion pour prendre un élément. Et l'arrêt du gardien. Kylian Mbappé. Thank you.
côté. Et voyez le Metz. Peut-être une bonne opportunité, attention. Kylian Mbappé. Et voilà le but. L'équipe qui prend l'avantage. Et c'est vraiment mérité. Ah oui, parce que depuis le coup d'envoi, elle s'est créée plein d'occasions nettes. C'est quand même un peu plus logique que Martin. Et continue comme ça. Avec lui, il se touche. Il a réfléchi à exciter l'arbitre. Et bon, bah, au final, il s'est disputé. Oui, par contre. Le ballon et il y a certainement quelque chose à faire là pour l'équipe de France. Attention. On s'approche du but. Ah, il est la mi-temps. Les supporters qui sont revenus dans les travées de la Casa d'Arena. Elle a sinon une période qui débute à l'instant. Potentiel cette attaque, ça peut bien faire un but. Ah, la même passe. Ah, tu m'as posé cette passe pour la surface. C'est dur à digérer pour l'adversaire, mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaires. C'est pas terminé, même si ce sera dur. Allez, le défenseur qui est au terrain ne peut plus lâcher aujourd'hui. Il en est déjà à deux buts. Ils accentuent leur avance. Le score qui est désormais de 2-0. Sur la poche du adverse. La frappe. Et le gardien qui remporte ce duel. Et la frappe. Entrée. Il a tout bien passé. Il a intercepté cette passe. Thank you.
Voilà, donc là, j'ai mis un but, troisième but de Kylian Mbappé. Regardez, on va au ralenti, hop, la tête, la barre, et elle rentre. Donc voilà, donc là, ça fait 3-1. Hop, donc voilà. Donc là, on va continuer le match, et puis après, parce que la vidéo sera finie. Encore une fois, n'hésite pas à liker, t'abonner, à partager la vidéo, et s'il vous plaît, like. Voilà. L'adversaire était à bout portant, mais c'est lui qui a eu le dernier mot, bravo. Il est dans la surface, attention! La défense qui m'a donné sur cette action, ça c'est moins qu'on peut dire. Ce n'est absolument pas.
pour lui, c'est compliqué. Pas de sortie du gardien. Oh, oh, c'est bien joué de la part du gardien. Le face à face avec le gardien. Avec ce but qui creuse encore un petit peu plus l'écart. Mais sinon, cette équipe, elle ne veut rien lâcher dans ce match. Une rivalité est un peu cruelle, c'est vrai. D'avoir vu ça sort déjà bien, bien, bien. L'arbitre qui siffle la fin de cette rencontre. Donc voilà, donc là le match est terminé. Encore une fois, n'hésite pas à liker, t'abonner, partager. Et nous on se dit à demain pour une nouvelle vidéo, même heure. Allez, à plus.